Et salut à tous, c'est Noenios et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Texit. C'est super, je commence la vidéo, il pleut, je peux pas dormir, bon bah c'est pas grave. Donc, j'ai fait beaucoup de farming en off. Je me suis donné pour seule consigne de ne pas manger pendant que je le faisais, comme ça je ne gâche pas de nourriture. Et enfin, j'ai tout le truc en netherite, on va pouvoir aller dans l'espace. Ah bah d'accord, donc, merde. Donc il me le met pas quand j'en ai. Il me le met pas quand j'ai. Je les ai qu'un par un. Bon, parce que je les ai craftés un par un dans la table de forge, là, le machin de villageois. Donc. Hop. C'était où? Moi j'ai fait la recherche en avance en plus. Et je ne retrouve plus. Attendez, oui, mais c'était peut-être pas ça, c'était. Space suit? C'est pas Netherite Space suit? Bah, si, c'est ça. Bon, c'est juste que je. Pas fait gaffe. Il me faut de l'ostrum. Donc, l'ostrum, je crois que j'en avais ramené. Ouais, j'en avais ramené pas mal, même. Et il en faut pas mal, hein. Attendez. Ah, ouais, mais. Ah, faut tout refaire! Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il me faut du dash aussi. On va prendre le dèche, on va prendre le strom, on va y aller petit à petit. Commençons par le casque. Il me faut une vitre. Hop. La vitre, c'est la plus simple. Tac. Alors, vitre, 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 c'est là-dedans? Non, c'est là-dedans. Tac. Tac. On fait ça. Alors, à savoir une chose, c'est que je pense. Mince, c'est pas aplati du dèche. Que une fois qu'on ira sur les nouvelles planètes, on va terminer cette série. Hein, parce que ça fait quand même pas mal d'épisodes. Hein, plus de 50. Donc, c'est beaucoup. Et donc, il faut un moment terminer cette série pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ok, on a ça. Tac. Non, ça. Deux dèches. Ok. Et deux ostrums. Tac. Paf. Paf. Alors, je sais pas si on pourra y aller dans cet épisode, vu qu'il y a beaucoup de choses à emmener quand même. Peut-être que si, en réalité. Je ne sais plus. Je suis perdu. Voilà. Les jambières. Deux dèches et quatre. Ok. Tac, tac. Et ça. Bon, je vais faire 8. 8 trucs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Ouais, il faudra dire au revoir à cette map. Tôt ou tard. De toute manière. Hop. Surtout que j'ai d'autres idées de série pour être intéressantes. Donc, ouais, ça va être chouette. Et du coup, ça, il me faut deux bouteilles d'oxygène, un truc et un oxygène gear. Donc, il me faut 5, 10 steel plates. 10, 11, 12, 13, 14. 14 steel plates. Est-ce que j'ai du steel? Oui. Il me faut 14. Il me faudra du fer aussi. On va faire ça là-dedans, ce sera plus rapide. Tac. Nickel. Paf. Donc déjà, hop. Ah mince. Faut les aplatir avant, c'est ça, je crois. Ouais. 2, 3, 4. Tac. Non, pas woodcutter, là. Tac. Donc si je me rappelle bien, c'est comme ça. Et ensuite, c'est hop. Et hop. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Beat the hit. Nickel. Donc, on a tout ce qu'il faut.
Niveau armure, je veux dire. Ah oui, j'ai regardé pour la mining rig drill. Il faut un mining computer, c'est très chiant. On va pas le faire. Parce que. On a autre chose à foutre, hein, tout simplement. Et que. Ouais, donc la priorité, c'est d'aller sur les nouvelles planètes. Alors. Ça, on va stocker. Est-ce que là, j'ai de quoi y aller? Ah bah non, faut que je fasse la fusée. Je fasse la fusée. Donc j'ai l'armure, mais j'ai pas la fusée. C'est pas elle, non, c'est elle. Elle, voilà. Un cône. Donc 4 plaques d'acier et un truc en copper. 4 plaques d'acier, un truc en copper. Ah, je pensais que j'avais tout. On va stocker ça là pour l'instant. Hop. Donc, on commençons par la barre de copper, le plus simple. Tac, tac. Ah merde, c'est vrai. Le cut copper, on ne peut rien faire avec. Ce qui est un peu con. Mais bon. C'est la vie. Tac, tac. Voilà une baguette. Ensuite, de l'acier. On en a ici. Il nous faut 4 plaques. 1, 2, 3, 4. Nickel. Hop. Et hop, on a le cône. Super. Ensuite, Ostrom Tank. Il nous en faut deux. Et Ostrom Engine. Oh, c'est chiant. Bon, déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faut 6 comme ça. Ok. Commençons par ça. Hop. Hop. Donc là, on fait la pointe. Je me suis trompé, j'ai pris les lingots. Tac, tac, la pointe. Voilà, on a les 4 trucs comme ça. Ok. Ensuite, donc, deux baguettes en fer, deux seaux, et il nous faut de l'ostrum. Ah bon, excusez-moi, je suis en train de réutiliser le même set de mouvements que dans Satisfactory, ce qui fait que je fais. Enfin, ça fait n'importe quoi. Tech. Oui, parce qu'en ce moment, je joue pas mal à Satisfactory. J'y prends une approche un peu plus sérieuse que d'habitude. Et autant vous dire que ça me prend beaucoup de temps. Alors, hop, trois plaques. Nickel. Ensuite, il me faut une hélice. Donc, il me faut un acier aplati. Il va me falloir du fer. Hop. Hop. Tac, tac. Non, tac. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac, hop. Une hélice. Ok, nickel. Ensuite, une plaque en milieu. Et ok. Donc, une plaque comme ça. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. Et hop. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, 3 plaques comme ça c'est fait. Tac. 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 Hop. Ok. Donc, maintenant, il nous reste plus que des trucs comme ça. Donc, il nous faut 10 machins comme ça. Allez. Encore un. Et deux seaux. Bon, j'ai déjà des seaux, mais comme vous le savez, je préfère en garder en rab. Donc je vais en recrafter deux. Donc, hop, hop, et hop. Voilà. On va recrafter notre roquette tier 3. Enfin, notre fusée tier 3. Alors, on met les chapeaux. On met ça, on met le propulseur et on met les ailerons. Et paf! Prepared for danger. Paf! Elle est magnifique. Ok, il va falloir mettre du carburant dedans. Bah j'en ai plein, ça tombe bien. 1, 2, 3. Hop. Hop et hop. Voilà. Pourquoi c'est pas les mêmes sauts?
Ah, oh, ça me tue ça. C'est un bug tout con en plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Voilà, là c'est bon. On va transformer en sonore. Il me manque un son. Ah, j'ai. Pourquoi j'ai encore un. J'ai dû cliquer une fois de trop. Mais est-ce que. Oui, ça s'empile. Ok. Ok. Donc on a notre fusée, on a notre armure à transporter. Ça, on va le laisser là, ça aussi. Cette armure-là ne nous servira pas sur la planète sur laquelle nous allons. Donc on va la mettre dans le coffre là-bas. Oh putain, je suis encore en train de faire les mouvements de Satisfactory pour avancer plus vite. Ça ne va pas. Hop, on restock l'XP. Au final, ça ne nous aura servi à rien de stocker l'XP. Netherite. Le fer, on stocke là. Et ça, on le stocke ici. Ok. Donc, notre but sur les nouvelles planètes, ça va pas être grand-chose. En vrai, je pense qu'on va même pas établir une base. Ou peut-être une très basique. Ouais. Peut-être une très basique à la limite. Mais ouais. En gros. Là, ça va être la fin. Parce qu'il est temps de dire au revoir à cette série qui s'est. Qu'on a pas mal à. On a fait beaucoup de vidéos dessus. J'ai trop de lits. Je vais aller les stocker. Hop. En stocker là, si je vais en stocker là, je pense Ellie. De toute façon, c'est pas comme si je l'ai rejoué dessus sur cette partie. Hop. Enfin, si peut-être en vrai, mais pas en vidéo, donc c'est pas grave. Où est-ce que je peux stocker ça? Stocker ça là. Hop. Voilà. Donc, on va s'équiper de tout ça. Ah, ma tenue pose problème. Bon, c'est pas grave. Ah oui, merde. Attendez, j'ai. Oh, je pose ça là, en attendant. Écoutez, je sais même pas quand je reviendrai sur cette partie. Faut que je remplisse mes bouteilles d'oxygène. Parce que là, elles sont vides. Totalement vides. Tac. Là. Voilà. Ensuite ici, tout ça c'est plein. Bah écoutez, on va partir, je pense, hein. Alors, ça sera stocké dans le sac. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ça c'est pour repartir, donc aussi. Ça aussi. J'essaye en fait de mettre de côté tout ce que je vais pas utiliser dans l'immédiat. Les émeraudes, c'est pas tout de suite, ça non plus. Il y a un stack que je peux mettre de côté de ce truc. Les bouteilles d'oxygène, normalement, j'en ai pas besoin tout de suite. Tout de suite, je garde quand même un stack de côté au cas où. Ça, je peux le stocker. Battery box, on va l'utiliser assez rapidement. Ça, j'en ai pas dedans tout de suite, ça non plus. Le bois non plus. Tac, tac, tac. Tout le reste, en vrai, le reste, je crois que ça va être utile assez rapidement. Ah, peut-être pas le hopper. Tac. Tac. Hop, hop, et hop. Ah, merde. Blast Furnace, hop, voilà. Et hop. Il n'y a pas moyen que j'ai quand même un. On va mettre les sauts. Ok! Et eh ben c'est parti, écoutez. Vers la dernière aventure. Allons-y! Alors je sais pas sur quelle planète on va aller, vu qu'on a le choix de deux, normalement. Donc bah on va voir. Oh, j'ai oublié de prendre un launchpad. Tant pis! Quoique j'en ai peut-être un dans l'inventaire.
Bon bah écoutez, au pire, je recrafterai un si jamais je retourne sur cette sauvegarde. Je me suis pas fait de checklist, tant pis, c'est pas grave, c'est le dernier épisode. Donc on profite du spectacle. Voilà, avec notre nouvelle fusée. C'est même pas le dernier tiers, je sais. Mais bon. Bon. Alors. Tiers 3, 3 roquettes, tiers 3 roquettes. Mercure ou Vénus? On va aller sur Vénus. Température 464 degrés. C'est parti. Oh là là. Faut pas qu'on s'écrase là, surtout, c'est très important. Je connais pas la gravité sur Vénus. Donc faut faire très attention. Là, je vois qu'on descend assez rapidement. Donc j'essaye d'éviter qu'on s'écrase. Là, on commence à traverser les nuages. Oh. Ah! 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 Hey, je vous ai rien demandé! Foutez-moi la paix! Waouh! Sympa, les mecs. Ok, donc les mobs sont vénères. Merde. Ça, on va stocker pour l'instant. J'ai pas pris de bloc de construction? Oh non, le con, j'ai pas pris de bloc de construction. J'ai pris du bois, mais j'ai pas pris de bloc de construction. Bon, écoutez, on va essayer de se débrouiller. Oh là là. Dans quoi est-ce que je me suis fourré, moi? J'ai même pas de moyen de revenir, du coup. Oh, là, là, c'est parfait, non? C'est du sable, et dès que je vais poser un bloc, ça va se casser la figure. Alors, attendez, on va faire un test, déjà. Test du bois. Le bois ne prend pas feu. En revanche, c'est bien ce qui me semblait, ça c'est cool. Ok. Ok. On va s'installer en haut de cette colline, je pense. Viteuf. On va essayer de tuer ces salauds. Eh, ils rigolent vraiment pas, hein, ils font mal, hein. Eh, hey, enculé! Viens ici que je te bute! Ok, j'ai compris ce qui... Ah non, j'allais dire, j'ai compris comment les gérer. Il suffit de reculer en tapant, mais non, pas. Est-ce que je peux faire des blocs? Venus Sandstone, oui! Je peux! Nickel. Ah oh, putain, ça me fait chier de pas avoir pris de blocs. J'étais con sur ce coup-là. Tac. Ça aussi, on va le stocker. Bon, écoutez, petite ellipse. Enfin, petite ellipse ou accélérée, je sais pas. Mais je vais miner de la sandstone. Enfin, du sable pour faire des blocs. A tout de suite. しなきゃな、ただいまって。
Heureux. Alors j'ai fait un petit abri et là bah, il faut que je commence à établir tout team, enfin tout ce qui va concerner l'oxygène. Cryo-freezer, ça sera pas pour tout de suite. Je sais plus comment on fait, je vous avoue. Hein. Je sais plus comment on fait. Ça fait longtemps encore que j'ai pas fait ce genre de choses. Enfin, longtemps. Que même espace que pour la dernière fois, hein, quand on est allé sur Mars, à peu près. Oxygène l'odeur. Oh là 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 là. Alors attendez. Ah, putain de merde, un bébé! Ils font peur ces saloperies, ils spawnent comme des ninjas. Hein. Il est tombé? Je sais pas. Tac. Ok. Donc, on va faire, mettons un trou ici. On va mettre. Non, pas cette touche-là, cette touche-là. Voilà. Ça. Puis. Je vais te défoncer toi. Dégage. Ah, il fuit en plus. La saloperie. Hop. 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 Et. C'est du sable. Ok. Tac. Et. Hop. Ok. Ça génère bien de l'énergie, oui. Nickel. Oh là là, je sais plus comment ça marche. Toi, j'étais. Dégage. Non mais oh. Moment. Se faire respecter. Ça, est-ce que ça fonctionne bien déjà? Oui, il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Nickel. Mais on va le déplacer. Merde. On va le mettre en face de la base. Genre là. Voilà, ce sera très bien. Ensuite ici, mettre le câble qui sort. Ensuite, on va récupérer tout ça. Voilà. Hop, faudra ici ce sera le trou où il y aura l'eau. Parce que là j'imagine que si je prends de l'eau, cette fois-ci elle va pas se transformer en glace, mais elle va s'évaporer directement. Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc, ça ne m'arrange pas. Mais bon. C'était à prévoir. C'était à prévoir. Tac. La pompe est alimentée en énergie. Nickel. Hop. Ça, on va mettre ça là. Cogénérateur ici. Iron furnace. On va mettre ça là. Ça ici. Le coffre là. Cryo Freezer Energizer. On va mettre ça ici. Voilà, on s'écharge à fond, nickel. Oxygène distributeur et oxygène loader. Converse water into oxygène. Et distribue cet oxygène into VR. Donc, normalement, c'est ça. Il me faut. Du tuyau qui va faire ça. Oh là, j'étais en train de me demander pourquoi ça ne marchait pas. Je suis bête. Hop. Ok. Et du coup, faut de l'eau. Là, si je fais genre ça. Hop. Et ensuite, je fais genre Active
Tac. Tac. Puis tac. Hop, source infinie. Et ça pompe de l'eau. Ok. L'eau se pompe bien. Ici, ça se remplit d'oxygène. Nickel. Et ça diminue. Merde. Merde, merde, merde. Je ne sais plus, je ne sais plus. Tac, tic, tac. On va recharger toute l'eau possible. Voilà. Comme ça, même si ça s'évapore, bah, on aura de la réserve. Tac. Vite. Hop, voilà, nickel. Fou. Ah oui, mais attendez. Vu que je peux prendre de l'eau. Je peux pas juste faire ça. Ah si, je peux aussi faire ça, c'est vrai. Mais du coup. Non. Je peux faire ça. Non? Je veux pas? Je sais plus comment ça marche. Je sais plus du tout comment ça marche ce truc. Bah écoutez, temporairement en tout cas, je peux rajouter des seaux et remplir ceci. Écoutez, je pense que c'est un relativement bon moment pour s'arrêter. On a créé un environnement pressurisé sur Vénus. On a découvert un peu la planète. Alors c'est vrai qu'on n'a pas... On va aller voir juste vite fait ce qu'il y a là-bas. Et non, ce qu'il y a là-bas, pardon. Vu qu'on n'a pas vu le biome. Et ensuite, on va se dire au revoir. Et j'espère ne pas mourir avant d'arriver. Parce que je me connais. Hep. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ça brûle? Oh, il y a de la lave partout. Ah oui, remarque, c'est une planète où il fait très chaud. Ça, c'est quoi comme matière? Spire block, infernal, ouais, d'accord. Oh, j'ai failli tomber dans la lave. Bah écoutez, voilà. Hein? C'est là-dessus qu'on va se quitter. Est-ce que je peux monter à ces trucs? Oui. Oui, ça ne me brûle pas. Tant mieux. Du coup, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la tourner. Alors c'est un peu émouvant comme moment parce que quand même, je sais plus quelle saison c'est de Texit, mais on était donc sur Texit 4. C'était bien. On s'est bien amusé. Du coup, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!